Chers amis, bonjour, il fait beau dans nos têtes, il fait beau dans nos cœurs, pourvu qu'il en soit de même ce dimanche pour ce déplacement, un de plus, que je vous présente guère moins important que les précédents, tout aussi important sinon plus que les prochains. Ce match, nous allons le disputer au stade de l'Aube de Troyes, et pour une fois, permettez-moi de ne pas trop m'attarder sur les statistiques et sur le parcours de nos adversaires, plus que sur ce qu'il se passe en ce moment. L'once d'un début de résurrection, de rébellion de la part de notre équipe, entrevue notamment face à Brest, bien sûr, un match qui a convaincu, qui a rassuré, qui a réjoui la plupart de ceux et celles qui ont assisté à cette belle victoire que nous attendions tant au stade de la Mosson. Alors bien sûr, vient l'heure de la confirmation donc à l'Estac à 3 ce dimanche. C'est une équipe qui est moins bien classée que nous, qui compte 4 points de retard sur la formation de Michel Derzakarian, qui reste sur un cinglant échec à Reims 4-0 le week-end dernier. Et puis, pour en finir juste du profil de nos adversaires de ce dimanche, c'est la plus mauvaise défense de Ligue 1, à l'instant la 20e défense du championnat. Donc, sans être quand même une véritable passoire, ça pourrait quand même libérer quelques espaces pour nos attaquants, que nous attendons autant que nos milieux de terrain, autant que nos défenseurs, avec le sérieux entrevu et très rassurant contre Brest, le match de la confirmation qui peut nous permettre d'avoir un matelas plus conséquent encore et de voir les prochaines semaines venir avec un soupçon supplémentaire de sérénité. Ce match à 3, on espère qu'il sera aussi dynamique de la part de notre équipe que fut le match aller que nous avions remporté. C'était la toute première journée de championnat, 3-2, nous avions battu les joueurs de Troyes. Écoutez, déjà, ne pas y perdre ce dimanche serait une bonne affaire dans les perspectives futures. Allez, on se donne rendez-vous dimanche au stade de l'Aube à 3, c'est à 15h, et sur tous nos supports sociaux que vous connaissez du MHSC. À dimanche. Maintenant, pousse.